Reptile ou Stick, c'est over, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Fallout 4 Far Harbor. Après des combats absolument mirifiques, difficiles, qui font que je n'ai plus quasiment de Steam Packs, il est temps pour moi de finir la mission d'une façon un peu plus intelligente que je ne l'ai fait, c'est-à-dire taper dans le fond, me soigner, taper dans le fond, je sais ce que ça passe. Là, ça va plus être possible, il va falloir que je sois un petit peu plus intelligent que ça. Donc limite... Faudrait que j'essaie, oui, j'insiste sur le « j'essaie » d'être sneaky. Je sais, je m'en demande beaucoup, mais je vais essayer. Bon, j'ai tête. Allez, pour ça, je vais utiliser... Qu'est-ce que j'ai pour... Oula, je me suis mis en mode... voilà, je m'étais mis en mode petit vieux, là, j'y voyais vraiment rien. Qu'est-ce que j'ai... Bah écoute, je vais y aller au... Écoute, je vais garder ma batte de baseball... Hein, argument reconnu de tous comme un moyen d'être discret, hein, bien évidemment, depuis 2162. Ok. Le timer est lancé. J'ai bien le record de lancer. C'est bon, on est bon. On est bon. Petit moment du doute d'un over qui balance du coup des coups de... Hop. Et qui balance des coups un peu à l'arrache. Sûr que c'est pas la lumière qui va me rendre très discret. Un over. La discrétion. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas? Hop. C'est bon. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien apprendre. J'avoue. 30 lui, il est pas mort. T'es sérieux? T'es raté. Aïe. Aïe. J'étais à t'y rester sur ce coup là. Oh, je suis dégoûté. Je viens de lui exploser la tête, hein, by the way, à l'autre gars. Non, mal. Bliette. Ah, oh, god. J'en ai marre. Il me faudrait oh, quoique... Ouais, non, en fait, bon... Vous souvenez le moment où je vous ai dit que j'allais y aller discrètement, que j'arrêtais de taper dans le fond? On va dire que j'ai rien dit, hein. Voilà, je suis fatigué. On va dire ça. Voilà. Ah bah tiens, maintenant il est mort. Donc je peux le finir à la batte de baseball. Attention. Boum. Excellent. Oh, un coffre. Voyons voir. Attention. Hein. Raté. Et raté. Raté. On recommence. D'accord, la taille. Oh, j'ai. Joli. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cartouche, des caps, cartouche au plasma, de l'argent d'avant-guerre, ouais, sur la fusion, et les calibres 12. C'est bon, ouais, les munitions habituelles. Qu'il y a d'autres à choper, rien d'intéressant. Bon, ça c'est fait. Continuons. Arme, du coup, je vais reprendre le Saint Redneck. Hein, voilà. Si c'est une zone avec que des ghouls, ça va être facile à nettoyer avec ça. Oula, d'accord, on va reculer un petit peu. Je crois que j'ai réveillé des... Viens par là. Dégage, viens. Ouvrez l'œil, tu vas crever. Voilà. Mais alors, t'as du mal, mon gars. Comment il est violent. Voilà. Donc du coup, il est mort, je vais pouvoir m'occuper des autres. C'est ça, on se réveille. Voilà. Bonjour tout le monde.
Non, si, oui, non, je sais pas. Non, c'est bon, il reste plus que... Oh là là, puis il vise à côté en plus. Bon, autant je l'adore pour son charisme, autant... Niveau efficacité, on repassera. Oh. J'ai pas aimé ce que je viens d'entendre. Non, ça passe. Non, ça passe, ça passe. Jurican d'essence. Non, non, mais non, ok, ok. Montre engoussée en or. Je prends. On finance l'expédition comme on peut, les amis. Les ciseaux, ça peut toujours être utile. J'y vois que dalle ici. C'était quoi? C'était une espèce d'usine textile, cet endroit? En tout cas, ça marche toujours. Alors, ça marche toujours depuis je sais plus combien d'années. Enfin, deux siècles, techniquement. Alors, je sais pas avec quelle énergie. Ah, bah si, les éoliennes! Logiquement. Non? Ah, il était mort. Oulalalalalalalala. J'aime pas ce que je viens de voir. Seul ici. Ouais, c'est un légendaire, ça. Ouh, ouais, il fait mal, lui. Oh là 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 là. Oh, la violence de ces trucs, quoi. Oh, gosh. Non, tu veux pas me laisser passer. Voilà. Eh ben dis donc, la délicatesse, la volupté, y a pas à dire, c'est pas pour moi. Viens par là, viens par là, et viens par là. Ouh. Jambière droite des opérateurs, plus votre niveau de radiation est élevé, plus votre force augmente. C'est classe, ça m'est inutile, mais c'est classe. C'est totalement classe. Bidon d'huile, je prends, c'est plutôt rare. Je sais pas ce que je viens de voir, mais déjà un, je veux pas le voir. Ouh là 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 là, c'était quoi ce truc? C'était quoi ce truc? Oh, miné sans bouffi. Oh là là. On va se... Déjà, voilà, on va sauvegarder aussi. Viens ici. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Non! Non, 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 non! Non, 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 non! Et merde! Je vais mourir connement du coup. Parce que j'ai plus de Simpax. Si, c'est le dernier! C'est le dernier, c'est le dernier. Je vais pouvoir prendre la batte de baseball. Wouh! Ben alors! Ben alors, t'as volé, mon grand! Ouais, viens là. Raté. Voilà. Allez. T'es où? T'es pas mort encore, maintenant t'es mort. Ouh. Ouh. Eh bien. Ouais, j'ai genre plus rien là. Oh. J'ai trop de matos sur moi, merde. Merde. Y entre. Voilà, ça va être plus facile comme ça. Oh, que ça a été dur. C'est rentable, mais c'est dur cet endroit. Capsule, ouais, du jet du psycho, je m'en fous un petit peu, j'avoue. Ouh. Oh. Ouh. Eh bien. Ce fut moultement compliqué. On va rentrer à Far Harbor et faire le plein. Ah, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, tu... C'est compliqué de survivre dans cet endroit, hein. C'est compliqué.
Oula, 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 oula. Madre Dios, Dio. Ok. Je vous couvre. Oh, joli. C'était beau, ça. Le dieu s'empare des brouillés. Ouf. Oula, oula, oula. Oula, il me faut des soins, là. Il me faut des soins. Il me faut des soins, il me faut des soins, il me faut des soins. Genre un Nuka Cola, yes. Je peux avoir des points. Voilà, c'est ça, nickel. Hey, attendez. Ça fait des semaines que je surveille ces ghouls. Que j'attends une ouverture. Et vous, vous débarquez, vous foncez dans le tas, et vous les massacrez toutes. Ouais. Est-ce que vous savez ce que vous avez récupéré? Un coffret d'outils Pelmen. Ouais. Je me rappelle des pubs pour les outils Pelmen. Ils étaient pas donnés, mais c'était du très haut de gamme. C'est quoi une pub? Bref, on s'en fiche. C'est la marinière qui vous envoie, n'est-ce pas? Maudit soit Mitch, lui et sa grande gueule. Je sais pas combien elle vous propose, mais c'est une broutille. N'importe quel bâtisseur compétent donnerait un bras pour ses outils. Je vous offre 2000 capsules, là, maintenant, tout de suite. Marché conclu. Non, désolé, mon gars. Je préfère te buter et choper l'argent. Je ne vais pas rester là éternellement. Si vous refusez, vous allez le regretter. Je suis un bon samaritain. Désolé, je suis un bon samaritain. Non, mais je suis le gentil héros, timide et puceau, vous le savez. Non, voilà. Je ne me soumets pas à la tentation. Je refuse la tentation et la corruption. Je retourne directement à Far Harbor aider ceux dans le besoin pour que Over, le général Over, puisse propager la civilisation à Far Harbor pour qu'il puisse incorporer à terme l'empire capitalisto-communiste du Commonwealth. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. C'était génial. Alors, moi, je suis dans mon délire. Bon. Ça y est, je suis rentré. Alors déjà, je vais ranger mon arme. Je vais demander conseil du coup au capitaine Avery, voire pour l'aider. Je vais être franche avec vous. Ouais. Les habitants de l'île ne sont pas du genre à filer un coup de main. Surtout si c'est un étranger qui demande. Mais j'ai une responsabilité envers ces gens. Et une tâche à vous confier, si vous l'acceptez. Je sais que vous êtes plus robuste que vous n'en avez l'air. Tout ce que tu veux, pourvu que ce soit payé. Ça me ferait plaisir de vous aider. Si vous le dites, notre eau potable vient d'un purificateur pas loin de la ville. Une grosse tempête s'est abattue sur nous peu avant votre arrivée, et elle a endommagé les condenseurs de brouillard qui protègent la route menant au purificateur. J'ai envoyé Howard Dunbar les réparer, ce qui veut dire qu'il était là-bas quand les fangeux ont attaqué. J'ai peur qu'il lui soit tombé dessus aussi. J'espérais que vous voudriez bien aller jeter un œil si... Si le pire s'est produit, vous pourriez peut-être remettre les condenseurs en marche. Si vous acceptez, dirigez-vous vers le sud. J'ai prévu de vous rémunérer, évidemment. Je ne demanderai jamais à un étranger de prendre ce genre de risque pour nous, à moins de le dédommager comme il se doit. Alors, c'est quoi un condenseur? Pas mécano, besoin d'outils de pièces. Non, je vais aller voir. Je vais aller voir. Au talent. Merci. Au talent. Nos réserves d'eau seront bientôt épuisées. Oui, madame, qu'y a-t-il? C'est un Pip-Boy? Oui, c'est un Pip-Boy. J'en ai entendu parler. Merci, madame. Vous êtes mignonne. Sauvegarde rapide. Des soins, s'il vous plaît. L'ange du continent. Ouais, super. C'est ça. Vous tirez quelques coups de feu et vous vous prenez pour notre sauveur. Vous pensez nous aider? C'est notre combat. Notre île, pas la vôtre. Mais tu te calmes, oui. Ça va, j'essayais juste de vous aider. La charité, ça donne jamais rien de bon. On en demande toujours plus jusqu'à ce qu'on crève quand on en a plus. Qu'est-ce qu'on fera ensuite, quand vous serez plus là? Soit on survit à notre manière, soit on fait tous le grand saut. C'est comme ça que ça se passe à Far Harbor. Donc si vous comptiez acheter du matériel, faites vos emplettes. Sinon prenez le premier bateau pour le continent. Avant que les enfants d'Atome, ou pire, s'en prennent à vous. Mais... Ce que vous avez. Ça c'est qu'il est sympa comme tout. Oh, ami de l'amiral? C'est quoi ça? Inflige deux fois plus de dégâts si la santé de la cible est à son maximum. Oh!
J'ai les sous ? J'ai les sous, j'achète ! Oh mais c'est tellement pété, ça veut dire, les gars ! Ça veut dire que si vous faites un tir en sneaky, et que le gars, du coup, regardez, de base, il fait 150 de dégâts. Il fait deux fois plus de dégâts si la santé de la cible est à son maximum, donc tir en sniper, et en plus, j'ai la compétence furtivité qui augmente les dégâts critiques des tirs à distance. Oh là 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 ! Oh, c'est moche ! Oh, c'est beau. C'est moche, mais c'est beau, tu vois ce que je veux dire ? Oh là 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 là, c'est magnifique. Allez. Si vous avez les capsules... Oui, troquer. Est-ce que tu aurais des soins ? Maniez-vous. Oui, c'est ça. Mais t'es gentil, toi, hein. C'est incroyable, hein. Ouais, tout ça pour un steampack. Faut vivre au jour le jour. Oh là là. Oh, il est pas frais, là. Steampack, j'ai tout ce qu'il vous faut. Si vous cherchez des bidules, des gadgets et autres trucs, vous êtes au bon endroit. Alors, ouais, j'aimerais troquer. Voyons ce que vous avez. Avec joie. Attends. Brooke, armes, tenues, soins. Qu'est-ce que tu as comme steampacks ? Oh, oh, les 10, oui. Oh oui, du Radoé. Les 9, oui, je prends. Les Radix, oui, je prends. Là, il y a pas moyen, j'accepte tout, là. J'espère que vous acceptez la Fallout Express. Hein. Oh là 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 là. Je fais jamais ça, hein, normalement. Depuis que j'ai commencé à jouer au jeu il y a plus d'un an, j'ai jamais fait ça. Mais là, il y a un cas de force majeure. Là, il y avait un cas de force majeure, je suis désolé. Pouf. Oh là 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 là. Bon. Au niveau des armes, je peux me débarrasser de lui. Voilà, c'est ça. Parfait. Les choses nous guettent. Alors, je vais rendre ma quête. Viens par là. Alors, est-ce que vous avez trouvé la tannerie ? Vous avez oui. Mes outils ? Oui, madame. Voilà vos outils. J'ai de la chance de vous croiser. Voici votre récompense. Vous l'avez bien méritée. Et maintenant, je vais bosser sur la coque. 450. J'avoue, hein, je me fais looser. Hein. Je suis bien. Attends, mais j'ai... Ah oui, si Non, par contre, j'ai gagné un fusil, j'avoue. Non, c'est pas celui-là. Optionnel, hein. Donc j'ai aidé le Touille Michel, d'accord, nanana. Ami de l'amiral, donc ça c'est ce que j'ai acheté. C'était quelle arme que j'ai gagnée là du coup ? Capacité, non. Non. Je peux me débarrasser de cette masse. Mais je suis pas censé avoir gagné une arme. Je devais pas avoir gagné un flingue. Ah, well, je regarderai plus tard. Je regarderai la rediff. Enfin, au montage, quoi. Alors. C'est le moment de régler nos comptes. Tu m'entends, sale Tédil ? Je t'envoie quelqu'un qui va te remettre à ta place. J'ai éliminé les ghouls sauvages du camping. Notre protagoniste rentre de son aventure de manière triomphale. Je parie que l'île n'a rien vu. Vous aviez bien mérité une récompense. Tenez, 200 capsules pour vous. Merci. Je ne m'attendais pas à une récompense. J'aime bien aider les gens. Vous êtes quelqu'un de bien. J'étais en train de réfléchir à la suite, et ça m'est venu d'un coup. On aime tous nos grands-parents, pas vrai ? Ils sont doux, gentils, aimants... Et ils nous gâtent. Personne ne veut qu'il leur arrive du mal. Personne. Donc, vous comprendrez que ce qui est arrivé à grand-père Georges m'a brisé le cœur. Oh, mes condoléances. C'est triste. Vous deviez beaucoup l'aimer. Tout le monde l'aimait. Mais l'île, on n'avait rien à faire. Ça, non. Il était maudit depuis le jour de sa naissance. Par le simple fait d'être un Dalton. Il avait une ferme. Le drama. Il menait une vie paisible, il travaillait la terre et ne causait de tort à personne. L'île a envoyé une créature pour lui régler son compte. Un énorme monstre, avec des griffes capables de trancher l'acier. Un rôdeur des brumes. Grand-père a montré qu'il en avait dans le pantalon. Il a pris son fusil et il a retenu cette horreur pendant que ses ouvriers prenaient la fuite.
Si vous arrivez à éliminer ce diable en carapace, vous ferez savoir à l'île que les Dalton ne pardonnent jamais à ceux qui leur font du tort. C'est une île, madame. Ce rôdeur va le payer très cher pour grand-père George. Ça fait plaisir à entendre. Ok, d'accord. Bon, un rôdeur des brumes. Oui. Non, mais y a pas de souci. y a pas de souci. C'est toujours pire. Chercher Howard Dunbar, d'accord, mieux vous oublier. D'accord, donc on a plein de missions. Donc là, j'ai aidé le côté un peu de Far Harbor. On a Capitaine. Donc il y a Cassie que je suis en train d'aider. Il y a les habitants de Far. Ouais, super. Récupération des données, libre circulation. Alors attends, bon, vu où on en est de l'épisode. Je vais voir si je peux récupérer des quêtes auprès d'autres personnes. Je sais même pas ce que ça veut dire. Salut. J'aimerais bien être habitant. Tranquille. Petite Bertha. Salut, toi. Bonjour toi. Personne ne parle à mon frère, compris ? Je n'ai pas de temps à perdre avec les continentaux. D'accord. Ok, non mais... Les temps sont durs. Mais alors, Tony ? Salut ! Ok, il veut pas qu'on cause. D'accord, non, mais je comprends, je comprends. Allons au grand mât. Aider à nouveau la marinière. Bah, oui, bon. Ah, Déby ! Salut ! Bonjour. J'espère que les continentaux filent de meilleur pour boire que mes habitués. Qu'est-ce que je vous sers ? Non, merci. Non, merci. Prévenez-moi si vous changez d'avis. C'est gentil. Habitant de Far Harbor. Ok, débit, très bien. Un autre habitant de Far Harbor. Bon, alors, Mitch. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Une bière gratuite pour vous. Ah bah, merci. Mais écoute, gentil. Non, je vais pas demander un truc de plus costaud. Merci pour la boisson gratuite. Regardez-vous avec vos beaux atours du continent. Alors, santé. Si vous restez ici trop longtemps, le brouillard vous prendra. Autant l'attendre le gosier plein, vous croyez pas ? C'est quoi le délire quand même, hein ? C'est tout ? T'as pas de... Qu'est-ce qu'il a de spécial, le brouillard de cette île ? Vous le sentez pas ? Même ici, dans l'endroit le plus sûr de cette maudite île, il est vivant. Il suffit de vous éloigner de la côte pour qu'il vous enveloppe en un rien de temps. Et si les radiations vous achèvent pas, c'est la folie qui vous emportera. Cette île finira par avoir raison de nous tous. Oui ! Le brouillard peut rendre fou ? Oui, il a rien de naturel. Certains des trappeurs qui vivent dans les terres étaient déjà des meurtriers avant. Mais plein de gens se perdent dans le brouillard. Trop longtemps. Et ils finissent tous par perdre la boule. Si vous avez un minimum de jugeote, retournez d'où vous venez et ne revenez jamais. Ça tombe bien. Je n'ai pas de jugeote. C'est vrai ça ? Pourquoi vous partez pas ? Si c'est si dangereux, pourquoi vous ne partez pas ? Une bonne situation, c'est chez ça ? Nous, ici. Ça se fait pas d'abandonner son foyer. De toute façon, vu qu'on doit tous mourir un jour, autant que ce soit en plantant un couteau dans le ventre de la bête qui vous a causé du tort. C'est pas faux. Je l'aime bien, ce petit, au final. Vous savez à quoi sert un bar, pas vrai ? Sans déconner. Bon, écoute, je vais prendre ma quête et finir l'épisode. Il y a beaucoup de gens ici qui n'en aiment plus que toi. Ne vous approchez pas de la carrière. Il y a beaucoup de trappeurs. Ok. Beaucoup de trappeurs, carte mise à jour. Ok, la marinière, t'as une autre Les quête. Les outils que vous avez trouvés sont vraiment exceptionnels. Ça m'a donné une idée. Oula. Il y a un cargo qui a coulé au sud d'ici il y a longtemps. Avec une bonne soudure à l'arc et de l'huile de coude, il y a moyen de renforcer la coque, d'en faire un rempart solide. Par contre, il vaudrait mieux s'y mettre au plus vite. Avant que... Enfin, au plus vite, quoi. Ok, d'accord. T'as Pourquoi peur que ce soit l'atome. Ça ne vous regarde pas.
Il faut juste réparer la coque. Ouais, d'accord. Donc, traduction, faut y aller au plus vite pour prendre de l'avance par rapport aux enfants d'Atome. Bon sang, je fais partie des rares gens qui donnent un coup de main. À quoi ça sert de me mettre la pression ? Bien, bien. Teddy, je suis malade. Stade terminal. Incurable. C'est pas évident d'en parler. Quand je quitterai ce monde, il n'y aura plus personne pour maintenir la coque en état. Donc, je ferai mieux de la réparer maintenant. Et... c'est incurable, incurable ? Il n'y a vraiment aucun traitement ? Même dans le bon vieux temps, des tonnes de maladies restaient incurables. Et ça... eh bien... Teddy a écrit à plusieurs docteurs sur le continent. Il leur a envoyé mes résultats et tout. Tout ce qu'il a obtenu, c'est des lettres de regret. Je te propose de l'aide. Je ne peux pas comprendre ce que vous traversez. Si je peux faire quoi que ce soit, dites-moi. Je me suis déjà assez lamentée sur mon sort. Allez, on a des choses à faire. On n'a pas moyen de la sauver ? Le bateau en question s'appelle le MS Azalée. Attendez-vous à croiser des trappeurs et pas des tendres. Dès que vous aurez fait le ménage, j'enverrai mes gars. Bonne chance. Ok, d'accord. Trou dans la coque 2. Le retour. Bon. Bah écoute, nouvelle quête. On a un drama supplémentaire. C'est l'île du drama. C'est dingue, hein. C'est dingue. Il y a du drama partout. C'est incroyable. Amour, gloire et beauté. Hein. Version Fallout. Bon. Eh bien, écoutez, les amis, dans le prochain épisode, je vais probablement repartir à la chasse aux quêtes. Hein. Enfin, j'organise encore les quêtes. Et il me perturbe. Hein. Ça me perturbe, cette histoire d'armure assistée. J'ai perdu ma maison quand le brouillard s'est propagé. Ça me perturbe, cette histoire. Y aurait-il une armure assistée pas loin d'ici ? Ça me perturbe, cette histoire. Ça me perturbe. Genre dans le... genre dedans ? Bah... Je vois pas d'armure assistée. No well. Bon, c'est pas grave. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Hein. On perd pas les bonnes vieilles habitudes. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de nos aventures avec moi et le capitaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve en commentaire sur Twitter et sur tous les réseaux. A très vite pour de prochaines aventures avec un vieux Longfellow qui a... qui est magnifique. Hein. Il a un style, oh mon dieu, classieux à souhait. Allez, gros bisous. À la prochaine.